Christian Caillot, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dessiner ? Je suis en train de dessiner un petit matelot qui s'apprête à embarquer sur son bateau. Bateau accosté à Clairac ce week-end. Alors pourquoi un marin ? Eh bien parce que il se trouve que je raconte des histoires de marins depuis une dizaine d'années, ainsi que mon collègue Riff Rebs, et que nous sommes tous les deux invités cette année au festival de la bande dessinée de Clairac, où nous présentons une exposition avec nos œuvres à Riff Rebs, Riff Rebs et moi. Alors quel est l'avantage de venir sur un salon quand on est un dessinateur ? C'est de rencontrer son public, et puis là ça va un petit peu plus loin que ça, puisqu'il y a une superbe équipe pleine de bonne volonté, c'est-à-dire qu'on va passer du temps avec des lycéens, des scolaires, faire visiter notre exposition, ou comme ce soir, je vais faire avec l'auteur de texte Thomas Cotto une lecture dessinée sur le thème de la mer et des voyages maritimes, avec une nouvelle de Ray Bradbury et une mystérieuse histoire de coquillage. Donc c'est un exercice auquel vous êtes habitué ou pas du tout ? Un petit peu, ça arrive, ça m'est arrivé de temps en temps de faire ces lectures dessinées qui sont en fait des moments un peu dangereux, puisqu'il s'agit des vrais moments de création en direct, mais assez magiques en général pour les spectateurs. Et puis j'aime comme ça faire des ponts entre les différentes formes d'expression, que ce soit ici le texte lu, dit, c'est-à-dire un comédien, entre le texte et puis le dessin. Voilà. Et alors sur le reste du week-end, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que le salon de la BD vous a donné à faire ? Alors donc, ce soir, cette lecture dessinée est suivie de la projection d'un court-métrage d'animation, Le vieil homme et la mer, à 21h au cinéma de Tonnins. Demain, avec les lycéens de Clairac, toute la journée, des visites scolaires. Et puis, il va y avoir samedi-dimanche le festival de la bande dessinée, sous sa forme plus classique de dédicaces et de présentation des ouvrages, dans un lieu que j'ai oublié, qui s'appelle La Plage. Ah, bien nommé. Voilà. Mais merci beaucoup, Christian Caillot. Merci à vous.